Out of this stink, ain't you? Ha!
Pourquoi viens-tu gâcher notre plaisir? L'ennemi de l'ombre ne vaut pas mieux que du bétail, et nous la traitons comme telle. Nous nous inspirons de Jack, qui sait comment il faut traiter les classes inférieures. Ah, comment est-elle arrivée ici? On va régler tout en changeant tout. D'accord. Je vais sortir les voyous. Tranchez-lui la gorge. Je vais te crever les yeux. Pourquoi viens-tu cacher notre plaisir? La nuit de l'ombre ne vaut pas mieux que du bétail, et nous la traitons comme telle. Nous nous inspirons de Jack, qui sait comment il faut traiter les classes inférieures. Oh, Jacob, Evie, c'est vous. Dieu merci. Seriez-vous en pleine expérience, Alec? Exact. Ça a l'air plutôt ébouriffant. Pardon. C'est à cause de ces rustres que Starik ne cesse d'envoyer pour m'acheter. Il m'a proposé une somme absolument effarante. Alec, tu ne comptes pas quitter le navire, quand même? Jamais. J'ai conçu cette petite chose, au cas où il se ferait trop pressant. Elle étourdira un assaillant, si besoin est. Vous croyez que ça va marcher? Je n'en sais rien. J'en ai fabriqué trois avec, entre autres, différents degrés d'acidité. L'une d'elles devrait marcher. Allons les essayer sur des hommes de Starik, alors. À propos de Starik, il propage toujours de fausses informations. Nous pourrions détruire ses émetteurs. Sa société est trop bien gardée. Ces bombes seront sans doute utiles, mais il serait dommage de fabriquer des bombes étourdissantes qui soient sans effet. Oh. Attendez un peu. Je crois que l'occasion se présente d'elle-même. Bon sang, il n'avait pas l'air si mauvais jusqu'ici. Reste en retrait, allez. Nous allons plutôt jouer à un petit jeu de linguistique. Emporter ces bombes et grimper sur le toit. Et quand je prononcerai le nom d'un condiment, lancez-en une sur ces gredins. Très bien. Oh, attendez, j'ai failli oublier. Glissez ceci dans vos bottes. Vous serez protégés de toute décharge voltaïque. Enfin, je crois.
Bonjour, messieurs. Je vous offrirai volontiers du thé, mais on m'attend ailleurs. Assez de politesse. On est venu réduire ton atelier ensemble. Pas vrai, Vaz? Tan, c'était quelque chose ici, pas vrai? Et tu t'en sers pour lire les messages de la Staric Company? Cette notion est tout aussi grotesque que l'idée que la Staric Telegraph Company diffuse des informations impartiales, monsieur. Répète ça. Les promesses de votre employeur ne sont que du vent, et ses activités vont tourner au... vinaigre! C'est quoi ces histoires de vent et de vinaigre? Oh! Je me sens tout chose! Oh. Ces gamins, toujours à faire des farces aux honnêtes gens. Écoute bien, Belle, si tu veux pas te faire sonner les cloches. Oh, un jeu de mots. Votre esprit me surprend. À votre allure, je vous aurais volontiers pris pour les derniers des cornichons. Cornichons? Je crois qu'il essaie d'être drôle. Oh, tu t'es encore oublié, Bill. Il s'appuie. C'est pas moi, Vaz. Oh, mon Dieu. Oh, ma gorge. Oh, oh. Ces petits diables ont encore lancé des bombes puantes. Ça arrive tout le temps par ici. Bon. Dis-nous où il est, ce téléchose. Je compte jusqu'à 3. 3? Bien, alors. Voyons jusqu'où vous irez. Vous croyez vraiment que je le garderai ici? Voyez-vous un câble? Un télégraphe sans câble est aussi utile qu'une cloche sans battant. Je vais t'en donner du battant, moi. Oh, vous êtes tout rouge. Auriez-vous mangé du piment? Je parle de la rougeur que donne le piment. D'un autre côté... Piment? Je me sens comme un craque-basse. Vous êtes sous le choc, mon bon ami. Bon travail, Alec. C'est grâce à vous, Evie. Votre présence m'a donné un courage et une résolution que j'ignorais. Ravi d'avoir été utile. Maintenant, occupons-nous de l'empire de propagande de Staric. Dépêchons, nous n'avons pas toute la journée. Plus longtemps nous empêcherons Staric de diffuser de fausses informations, plus nous pourrons révéler au grand public la vérité sur ses activités. C'est vrai. Plus tôt nous y serons, plus vite nous pourrons agir. C'est incroyable, mais ma mère m'a dit que certaines de ses voisines croyaient toujours aux vertus de ce sirop calmant. Alors j'ai pris la liberté de leur dire la vérité sur cette immonde mixture. Très bien, Alec. Mais vous n'allez pas vous rendre dans tous les foyers de l'ombre. Non. Surtout que je n'ai pas toujours eu bon accueil. Il est aussi difficile d'éradiquer les mensonges que d'oublier les injures des poissonnières de Billingsgate. Ou la garmine de Smithfield. Mais si nous parvenons à éradiquer la source de ces informations mensongères, alors, petit à petit, la vérité triomphera et ces inepties disparaîtront. C'est bien notre intention.
Je vous rappelle qu'il va falloir entrer sans nous faire repérer. Je les étourdirai pendant que vous entrerez. Je ne détruirai pas une pièce du transmetteur, mais trois. Il en sera quitte pour danser d'un pied sur l'autre devant une Vespasienne. Doudou. Nous allons devoir traverser ici. Eh bien, cela commence à devenir drôlement périlleux. Ce n'est pas passé loin. C'est en train de devenir une véritable aventure. Ah, celle-là est un peu rétive, mais je l'ai arrachée comme un dentiste arrache une dent gâtée. Voilà. Activez-vous, Alec. Eh bien, cela commence à devenir drôlement périlleux. Mes chers amis, Jacob et Evie, je dois de nouveau vous remercier d'avoir défendu cette valeur qui m'est si chère, à moi et à notre cause, la liberté d'expression. C'est une chance que vous mettiez votre génie au service du bien commun, Alec. Il n'empêche, tu ferais quand même mieux de quitter ton atelier. Inutile. Votre courage est devenu une véritable inspiration, sans compter que mes petites machines m'offrent toute la protection dont j'ai besoin. Si par le plus grand des hasards, vous aviez un moment de libre, passez donc me voir. Je vais te découper en... Oh, no, you can hear me. Ah? I'm not a ghost.
messieurs, toutes nos excuses pour ce retard. Vous pourrez bientôt accéder à la gare centrale. Mais où il est passé cet horaire? La gare centrale est fermée. Ordre d'Ataway. Alors dis-moi, tu avais vu les plans, n'est-ce pas? Tu étais au courant de ce défaut? Un détail mineur, monsieur. Car les wagons avaient été renforcés. Il faut que j'aille à la gare centrale. Comme tous ces braves gens. Mais vous devrez attendre que j'ai reçu mes ordres. Voilà votre sacro-saint horaire. Merci. À tous les passagers, tous les trains sont arrivés. J'ai une affaire urgente à la gare centrale. Tu sais, je cogne même les sables d'esprit. Cette bande d'ordures ne me plaît pas du tout. Thank you.
Quel dommage. Les bons associés sont tellement rares. Notre association était sans lendemain. Ainsi vont les affaires, Monsieur Fry. Il faut savoir se compromettre pour triompher. Crawford n'appréciera guère la nouvelle de ma mort. Quand il est chagriné, il sait se montrer fort déplaisant. J'ai tant sacrifié de moi-même. Je ne veux pas perdre mes omnibus.